Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes ici à King's Cross St. Pancras, à la gare de Eurostar. Eurostar, c'est la compagnie franco-britannique qui relie la France et la Grande-Bretagne. Nous sommes ici à cette gare, la plus grande gare ferroviaire de la capitale britannique. Nous sommes ici, vous voyez les portes derrière moi, c'est là que tout à l'heure, parce que le train, je crois, quitte Célia en gare, c'est là que vont émerger Gagi Sely, Saint-Joseph et Justin Stanislas dans le cadre du concert qui va avoir lieu demain à partir de 20h, concert organisé par Dalwa UK, auquel tous les Africains, les Ivoiriens en particulier, sont invités. Gagi Sely, Justin Stanislas, Adélise, le trio qui va participer à ce gala sur le même podium, ce trio est là. Le trio que nous aurons l'occasion de découvrir demain, en pleine séance. Gagi Sely, Saint-Joseph, le footballeur chanteur, voilà, vous vous rappelez, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en 1992, sur les bords de la Teranga, au stade de l'Amitié à Dakar, où la Côte d'Ivoire pour la première fois remportait la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ils arrivent et sont venus, Justin Stanislas, accompagné de ses belles hôtesses, voilà. On va les voir demain. Bonsoir Gagi. Bonsoir Gagi, je crois que le voyage était juste sous la Manche. Oui, on a fait un bon voyage. Oui. Voilà, on est passé sous la Manche. Ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été long. Oui. C'est bref, c'est court, c'est bon. Voilà. Alors, à chacun de vos passages ici en Angleterre, c'est l'effervence, c'est l'effervescence, c'est l'effet de bombe. Alors, Gagi Sely, il y a un an, jour pour jour, je pense, il était là. Aujourd'hui, Gagi Sely, demain, va se produire. Alors, dans quel état de santé vous vous trouvez en ce moment? Ben, ça va. Tout va bien. Ça se voit. Ouais, ça va. Ça se voit. Et je suis venu, cela fait un an, oui, jour pour jour, que j'étais là avec vous, avec le public d'ici, les Londoniens. J'ai vécu de très beaux moments. J'ai été invité par Dalwa UK, une association qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour ses fils de Dalwa. J'ai voulu participer à cet événement qui me touche. Qui me touche, parce que quand une association veut apporter de l'aide à la population de Côte d'Ivoire qui en a besoin. Absolument. Je suis partant. Donc un an après, je me retrouve ici. Oui. Et très heureux d'être encore parmi vous et de chanter les chansons que vous aimez. Voilà. Et de vivre ensemble des moments, ouais, de confraternité. Absolument. Gagi, demain vous allez être sur le podium avec Adélise, votre sœur, et puis un autre gros poids lourd de la musique ivoirienne, Justin Stanislas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez donner? On voit un grand Gagi Sely, voilà, Adélise qui nous rejoint. C'est un honneur que de participer à des galas où le grand frère Justin est invité. J'étais footballeur avant, vous le savez. Quand je voyais à la télé Justin chanter, que j'appréciais beaucoup. Ouais. Et puis Adélise aussi qui chantait, qui venait derrière apporter sa touche dans une période. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ces artistes et aujourd'hui je me retrouve en train de chanter avec eux. Ouais. C'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur aussi pour moi d'être sur le même plateau que ces artistes-là. Je pense que tout Londres doit se déplacer pour les revoir. Oui. Parce que c'est la bonne, la vraie musique. Demain, Gagi, Adélise et Justin Stanislas vous donnent rendez-vous pour le conseil. Il faut venir voir. On parle de la vraie musique, la grande musique, la bonne musique. Justin Stanislas, voilà. Justin Stanislas, voilà. La caméra, il faut juste se mettre à côté. Alors Justin, voilà, vous êtes le grand frère. Gagi, on lui a parlé, Adélise. Alors demain, je pense que la première fois vous produisez ici à Londres. Ah non, la troisième fois. Ah oui? Moi oui. Demain, on va mettre le feu. On met le feu demain. Voilà, donc vous êtes prêt pour le feu demain. Ben voilà. Vous voyez, il donne le temps, demain on met le feu, Gagi l'a dit. Adélise l'a dit également, mercredi on était avec elle. Voilà, on va donner le feu. Juste au dire aux Ivoiriens, aux mélomanes ivoiriens que vous êtes là, vous êtes bel et bien là, et que le concert, le gala va avoir lieu demain. Un petit a cappella pour leur dire, voilà, bonne arrivée, welcome comme on dit ici. Yeah.
Voilà, le pari de Daloyou qui est gagné. Vous avez entendu la capella, la voix est restée intacte avec Justin Stanislas. Merci à vous, on va se retrouver. On va se retrouver dans la salle demain, d'ici on va à la maison. Mais je suis avec encore le président du comité d'organisation au four et au moulin, le chef d'orchestre. Alors, vos hommes sont là, vos artistes sont là. Voilà, quels sont-ils? Ils ont vu, le King est là, le doyen est là, la chérie est là, elle a déjà parlé, tout le monde est là. Il n'y a plus d'excuses, ils sont là. La grande satisfaction. On fait la fête, voilà. On est satisfait, on les attend maintenant. Un appel au public? Le public, très nombreux, demain à partir de 21h jusqu'à 5h30. Et le King, non, ils connaissent le Dieu, à aucun trône. Le King a promis de belles choses. Voilà. Le doyen a promis de vous offrir tout ce que vous voulez. Voilà. Tout son répertoire sera établi. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci au public. On va se retrouver demain dans la salle. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Pierre Kouadiane, Alexis Bléhibo, notre ami. On est ensemble. Salut aux amis de Yo Korea. Mamma, 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 m